en temps fort. Ah ouais. Et c'est rare qu'on en voit une, hein. Et elle est longue quand même, hein. Elle descend. Qu'est-ce qu'elle descend? On sent le gars jusqu'ici. Elle va, à mon avis, dans les champs qui sont là-bas derrière. Plus loin, au niveau de la... Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, vous ne me voyez pas, bien sûr, je suis là derrière. Je suis en train de préparer les affaires qui vont nous servir pour nous partir au zoo Blankenberg, comme je vous avais dit en vidéo. Alors ici, autant vous dire que j'avais tout retiré exprès pour vous montrer tout ce que je vais mettre et tout ce qu'il y aura dans mes deux sacs qu'il y a ici. Donc là, il y a le frigo et ça, c'est le sac qu'on porte à part du frigo, hein. Et comme ça, vous savez. Alors autant vous dire que ici, j'ai deux paquets de lingettes. À la place de prendre les paquets de linge, donc les gros paquets qui sont assez lourds, j'ai fait des petits paquets. D'un côté, c'est plus facile, au moins on est tranquille. Donc j'ai mis toute une tonne de petits paquets de lingettes savonneuses qu'on vend Action, qui est bon pour les toilettes, qui est bon pour laver la table, qui est bon pour laver l'évier. Voyez, toutes sortes de petits trucs ainsi. Je me dis, pour nous, en plus c'est médical, pour nous, il n'y a rien de pratique. Pourquoi j'ai pris ces petites lingettes-là? Je vous ai expliqué pourquoi. Pour d'un côté, si on va dans un magasin, dans des petits magasins, hein, et qu'il y a des petites bouteilles comme ça, quoi que ce soit, on aime mieux que d'un côté, ça soit propre, qu'on s'en sert quand c'est propre, que c'est au moins nettoyé et propre, hein. Aussi, de un. De deux, on aime mieux aussi se laver la table là où on va aller manger, parce que je sais que dans des trucs, dans des parcs ainsi, il y a beaucoup de gens, ils viennent, ils se mettent dans des tables qui sont à moitié dégueulasses ou quoi que ce soit. Nous, on aime bien quand même que c'est propre, et ceux qui travaillent n'ont jamais le temps d'aller voir où c'est propre ou c'est dégueulasse. Alors nous, moi j'ai pris ça exprès pour nettoyer la table. Même si ce sont des tables en bois ou quoi que ce soit, on sait quand même nettoyer, on sait quand même frotter avec un petit palplus. Niveau des lingettes, c'est quand même un peu plus agréable, hein. Et j'ai pris ça en même temps qui pourrait nous servir les mains ou frotter quelque chose si on a nos mains collées ou quoi que ce soit. Au moins, c'est quand même plus pratique. Donc j'en ai mis au moins une vingtaine de petites lingettes comme ceci, hein. Donc c'est des lingettes qu'on met pour les bébés, hein. C'est pour ça que je me dis, je vais faire ça pour les enfants ou pour moi-même. Au moins, donc, d'un côté, au moins, on a de quoi se laver les mains. J'ai mis un bon gros paquet de ces lingettes-ci, ici, de savonnées. Ma fille s'est acheté une casquette aujourd'hui. Donc, un chapeau comme ça, on va se le relier chacun notre tour pour se mettre à notre tête. Et je me suis rempli ma petite bouteille de gel hydroalcoolique que je vais aussi mettre dans le sac. Donc ça, je vais le mettre dans mon chariot qui est là-bas. Ça, c'est autant vous dire, c'est très très urgent, surtout quand il fait hyperbement chaud. Donc je compte, d'un côté, j'ai pris une toute petite bouteille ainsi pour la chaleur. Comme ça, on a ce qu'il faut. Alors, ma petite pupuce, elle a pris son épouvantail, mais bon, moi je me dis, je vais mettre le mien aussi. Comme ça, on a ce qu'il faut. J'ai pris les gobelets que j'avais achetés à Action, si vous vous en rappelez, dans le retour de course Action. Donc, j'ai pris les gobelets pour nous boire en route. Ça, ce sont des poches, une pochette que j'ai achetée aujourd'hui à Action. J'ai déjà mis mes lunettes dedans, hein, mes lunettes de soleil que vous me voyez tout le temps avec, qui sont là-dedans. Comme ça, au moins, c'est fait, hein. Alors, j'ai pris, autant vous dire, deux sacs complets. Vous allez me dire peut-être pourquoi j'ai pris deux sacs ainsi. Si au cas on achète des objets là-bas
au parc, on sait au moins mettre dedans, on n'est pas obligé de prendre 36 sacs et au moins on aura moins de choses à porter. On a pris aussi deux, donc je vous montre tout ce qu'on va mettre dans les sacs. On a pris deux sachets comme ça pour protéger, que ça a été pris aussi à Action, pour protéger les toilettes, que ce soit la toilette du train ou la toilette à la gare ou la toilette dans le parc. Au moins, on a de quoi se protéger le trognon de cucu. Et ceci qui est la même chose qu'on met celui-ci en premier et après on met celui-là. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir. Alors moi, je me suis pris des petites bonbonnes pour celui qui veut sucer. On a quand même pris des masques. Vous allez peut-être me dire, oui, mais on n'en met plus et tout. Écoutez, moi, je vais quand même en mettre parce que dans des endroits, si bien que le train ou alors attendre le train, il y a beaucoup de monde, surtout pour l'aller. Bon, il faut voir quel endroit aussi. Mais si je vois qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde, je compterai mettre un masque, hein. C'est pour ça que j'ai pris les masques quand même. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Alors, aussi, j'ai pris deux de chaque, des petites bouteilles comme on voit à Action, hein. Donc, j'ai pris deux comme ça, comme ceci, hein. J'en ai encore deux de chaque comme ça sur le côté, sur le chariot, et deux à, voyez, deux à l'orange, hein. Ça, c'est le deuxième, et deux aux fraises, et alors deux aux cerises, qu'on met ça avec de l'eau. Donc, ça, je vais le mettre dans le sac frigo, et tout ce que vous voyez ici va être dans ce sac-là. Comme ça, on est assez, assez tranquille. Et je vais vous laisser regarder comment je fais mes sacs. Comme ça, vous voyez un peu. Je crois que je vais prendre un café après pour se me réveiller, parce que je m'endors. Donc à la place de 6 heures du matin, nous partons à 7 heures. Vous voyez, je les ai mis là. Donc l'autre, ah oui, ça on doit aussi préparer. Ça, je vais le mettre là. J'ai préparé aussi tous mes glaçons qui vont servir pour mettre dans le sac. Il est dans le congélateur au garage. Et voilà. Donc ici, ça maintenant, je le mets là. Et moi, autant vous dire que moi, je vais vous laisser. Je vous reprendrai. Vous voyez, ma vaisselle est déjà faite. Mon lave-vaisselle est occupé. J'ai déjà préparé le plateau. J'ai été chercher des croissants ce matin, hier cet après-midi, pardon, pour nous partir. Il n'y aura qu'à préparer la table pour partir. Et oui, on part bientôt, hein, nous partons demain matin, mais il faut être prêt. Demain matin, allez, moi je vous reprendrai demain, hein, en espérant que tout va bien, hein, en trajet ou quoi que ce soit, et on vous retrouve demain. Hein, mon minou, t'es bien, hein? Oh, tu fais le beau dans les abonnés. Tu dis bonjour aux abonnés? Tu t'en fous, hein? Oh oui, tu t'en fous. Hello mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends maintenant quelques jours, longtemps que j'aurais dû vous prendre pour vous expliquer de pourquoi nous sommes pas partis. Donc vous avez vu début de ce vlog-ci que j'ai préparé toutes les affaires pour logiquement partir au parc Zoo Blankenberg.
je vous expliquais tout ce qui s'est passé et le pourquoi nous sommes pas partis et le pourquoi vous n'avez pas eu de photos en même temps que ce moment-là. Donc nous étions, autant vous dire, le lendemain du jour que vous avez vu la vidéo de préparation pour les sacs pour partir à Blankenberg. Arrivé le lendemain matin, on se prépare tous ensemble, ma fille, mon fils, moi. On se prépare, on s'habille, on mange, on fait ce qu'on a à faire et tout. Et le seul souci, il faisait hyperbement chaud ici, d'un côté, c'était le matin. Et donc, il faisait chaud la veille et le matin, c'était un peu difficile pour eux. Beaucoup de certains d'entre eux n'ont pas beaucoup dormi. Hein? Je cache pas. Voilà. Et donc, le seul souci, c'était difficile. Donc, on fait le chemin tranquille, sans problème. On fait le chemin pour aller jusqu'à l'arrêt de bus parce qu'on devait prendre le bus pour aller jusqu'à la gare, prendre le train. Et mes enfants se sont assis sur... On s'est tous assis sur la petite fenêtre et on attendait après le bus. Le seul souci, c'est qu'on avait le soleil qui nous tapait dans le visage et j'avais dit à ma fille, est-ce que tu prends ton chapeau pour aller ou pas là-bas à Blankenberg? Elle me dit, non maman, j'ai pas besoin de mon chapeau. Bon, tant pis pour elle, c'est son choix. Elle a voulu laisser son chapeau à la maison, elle a laissé son chapeau à la maison. Donc on était à l'arrêt de bus et tout à coup elle me dit, maman, je me sens pas bien. Maman, j'ai la tête qui tourne, maman si, maman là, et tout à coup, j'ai vu ses yeux tourner, j'ai vu qu'elle n'était pas bien, qu'elle tremblait, bon, une crise de chaleur, hein. C'est une crise qu'elle a fait, et dès que j'ai vu ça, j'ai dit, pour finir, nous ne partons pas, autant retourner à la maison, pour être sûr et certain qu'elle est à l'abri, et que si au cas il y a un souci, elle est à la maison et on n'est pas en chemin ou quoi que ce soit. On ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, on a attendu qu'elle revienne, que ma fille revienne à son état normal, hein, encore heureux qu'elle est assise. Et donc, on a fait le chemin pour retourner à la maison. J'ai dit, bah, tant pis, les enfants, on ne va pas y aller et on va retourner à la maison. Vous avez vu que j'avais fait mes tickets aussi. Donc, on est retourné à la maison, ma fille dès rentrée, elle est montée en haut et elle est partie se coucher. Elle a dormi jusque je ne sais pas quelle heure, autant vous dire, tellement qu'elle avait la tête qui tourne. Elle a eu ça toute la journée, même quand elle s'est réveillée, ça continue à tourner et tout et tout et tout. Encore heureux que j'ai appelé le médecin pour savoir si c'est possible d'avoir un rendez-vous pour son problème de santé et autant vous dire que on a été dans la soirée, c'est pour ça que je vous ai pas revlogué par après parce que c'était trop émouvant pour moi. Donc on a appelé le médecin, que par après on a été chez lui aux environs de 18h40, un genre ainsi. Donc toute la journée on est resté à l'intérieur, on est pas sorti, rien du tout. On n'est pas sorti, rien du tout. On est resté à l'intérieur tellement qu'il brûlait dehors. Et ma fille est restée à la maison. Elle n'a pas bougé tout le long du chemin. Même pour aller là-bas chez le médecin, elle avait quand même, elle se sentait pas bien. Elle avait la tête qui tournait aussi. Elle n'était pas fort bien non plus. Donc on est resté à la maison. On n'a fait que dormir. Et autant vous dire que mon fils et moi, on a essayé de téléphoner à tous les endroits pour essayer de savoir d'un côté qu'est-ce qu'on doit faire pour réutiliser les tickets, mais en changeant la date et en demandant comment on peut faire, si on n'a pas su aller au parc, comment on peut faire. Donc autant vous dire que on a fait tel comme ils nous ont demandé, d'avoir un certificat médical de la personne qui n'était pas bien avant de partir,
Il faut qu'on envoie un mail sur l'adresse mail du Lidl en scannant les tickets que j'ai pris, plus les bons, les 8 bons de 10, de 2 euros, donc les 8 bons que j'ai dû cocher de 2 euros que je dois imprimer aussi, plus imprimer aussi le certificat médical et leur envoyer tout ça par mail et en même temps expliquer de pourquoi on n'a pas su aller et en même temps on doit mettre la date du jour que on part. Alors autant vous dire, je n'en sais vraiment pas le jour que nous repartirons là-bas. Au parc, mais bon, c'est prévu. De toute façon, on partira au parc, ne vous inquiétez pas pour ça. Si on part au parc à ce moment-là, vous aurez des vidéos, des photos, la situation un peu globale. Mais ce que je ne ferai peut-être pas, c'est la préparation du sac ou quoi. Je vais voir comment je vais faire. Mais autant vous savez, ainsi je me dis, je vais faire une vidéo pour dire, vous expliquer un peu de pourquoi. On n'a pas, on n'est pas parti, que vous n'avez pas eu de vidéo de partir ou quoi. Vous avez vu qu'au début, il y avait la préparation et qu'ici, il n'y a pas. Donc, moi, je ne vais pas faire devenir malade mes enfants pour aller là-bas. Hein. Donc, c'est le soin premier de mes enfants et après, le reste. Donc, on va essayer tout ça cette semaine-ci. On va essayer de tout faire pour que d'un côté, les billets sont toujours utilisables, mais avec une autre date, avec une autre date, et en espérant que ça marchera, parce que bon, j'ai quand même payé une bonne somme, hein. J'ai payé 80 € l'entrée et le reste a été payé par le Lidl, mais il faut quand même savoir si on peut être, si ça peut servir pour un autre jour ou pas. Donc voilà. Donc ça, je vais savoir ça par après, si on fait tout ce que logiquement. De toute façon, la femme qui nous a eu au téléphone nous a dit, rien n'est perdu, madame, ne vous inquiétez pas, rien n'est perdu. Si vous faites tout ce que ça elle a fait, rien n'est perdu. Donc j'espère. Donc voilà, donc comme ça, vous savez un petit peu plus de pourquoi vous n'avez pas eu de vlog. Logiquement, le 16, c'est-à-dire le mercredi du mois passé, oui, mercredi du mois passé, de pourquoi vous n'avez pas eu de vlog. Alors autant vous dire que depuis ce temps-là, ma fille va hyperbement mieux. C'est la chaleur qui lui a fait trop de problèmes de santé ainsi. De c'est pourquoi qu'elle n'était pas fort bien. Donc maintenant, ça va déjà un petit peu mieux. Maintenant, c'est moi qui ai des problèmes de santé. Donc c'est pour ça que d'un côté aussi, on attend qu'il y ait un peu moins de chaleur pour partir là-bas. Comme en ce moment, la chaleur, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte. Donc, hein, ici, en ce moment, nous repartons renouveau dans les grosses chaleurs. Donc, on souffre beaucoup. Surtout ici, il fait très, très chaud en haut. Qu'en bas, ça peut aller, mais c'est quand même chaud. Hein. Donc, voilà. Et ce qui se passe. Alors, autant vous dire qu'aujourd'hui, si vous voulez savoir quel jour on est aujourd'hui, nous sommes dimanche. Dernier jour de la semaine. Autant vous dire que j'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont déjà faites. Alors, merci aux nouveaux qui viennent d'arriver. Il y a certaines choses que je dois programmer encore. Niveau des choses que logiquement on compte faire, on compte organiser, mais pour l'instant je ne vais pas vous en parler parce qu'on compte pas pour l'instant vous en parler. Il y a beaucoup de changements, oui, il y a beaucoup de changements qui comptent avoir peut-être. Hein. Il y aurait un changement et un fameux, fameux gros, gros projet, comme je vous ai dit l'autre fois. Il y a un fameux gros, gros projet, mais c'est très dur, ça nous tient à cœur là et on a envie de le faire et d'un côté on a envie que d'un côté ça aille bien pour tout le monde. Moi, je vais vous laisser,
Je vous reprendrai sur un autre vlog, un prochain vlog. D'un côté, je voulais faire cette petite vidéo pour d'un côté vous sachiez un petit peu ce qui s'est passé et le pourquoi, comme vous avez vu sur le titre, le pourquoi pas parti. Eh ben, au moins, vous savez pourquoi nous sommes pas partis. Donc, c'était le bien de mes enfants en premier et le reste après. Voilà. Mais de toute façon, dès qu'il y a un petit changement, je vous mettrai au courant dès que possible. Ou vous les verrez par après sur les vlogs sans problème. Donc voilà, en espérant que ça se passe bien. Allez, moi je vous laisse. Si ça vous a plu, mettez un commentaire, mettez ce que vous voulez. Et on se retrouve pour un prochain vlog. Bisous. Moi vouloir être un chat, retrouver sur les